Le prochain défi va vous demander de cultiver quelque chose dans une parcelle cultivable. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir créer une plantation avec des parcelles cultivables. Les parcelles cultivables, c'est tout simplement la terre qui est en dessous de ma plantation. Ensuite, pour terminer le défi, je vais devoir cultiver n'importe quel légume hein, pour valider la quête. Donc pour réaliser tout ça, donc pour faire une plantation, ce qu'il vous faut, c'est obligatoirement une pelle. Donc la pelle, vous allez la créer dans votre établi. Ensuite, quand vous avez votre pelle, ce que vous allez devoir faire, c'est creuser par terre. Donc vous creusez dans le sol, et quand vous allez creuser, vous allez obtenir de la terre. Et avec cette terre, vous allez pouvoir créer des passerelles, en fait. Donc regardez, ici dans Utilitaire, tout en bas, à droite, vous avez des passerelles cultivables. Donc dès que vous aurez de la terre et de l'engrais, si vous n'avez pas encore le schéma, vous débloquerez le schéma. Donc pour obtenir de l'engrais, ça, il va falloir aller près des animaux. Donc les poules, les vaches, etc. etc. Et regardez, ça brille un peu sur le sol. Et en fait, c'est tout simplement du caca d'animal. Donc dès que vous voyez des animaux, vous récupérez l'engrais qu'ils sont en train de faire. Et si il n'y en a pas, ce que vous pouvez faire, c'est de les nourrir. Vous nourrissez les animaux avec du lierre. Hein. Donc regardez, si vous cassez ça par exemple, vous allez obtenir du lierre. Donc hop, j'ai obtenu un de lierre. Ensuite, ce que je fais, c'est que je lâche le lierre ici. Et vous allez voir que les animaux, regardez le cochon là, il va venir le manger. Et après, je sais pas moi, 30 secondes, il va tout simplement faire son caca que vous allez devoir récupérer pour obtenir de l'engrais. Après, plus vous allez les nourrir, plus ils vont générer de l'engrais. Donc n'hésitez pas à les nourrir plusieurs fois. Ensuite, quand vous avez de l'engrais plus de la terre, là vous allez pouvoir créer votre passerelle cultivable. Donc vous allez dans un champ, hein. Moi je vais le faire n'importe où parce que j'ai déjà ma petite plantation. Donc là je vais sur ma passerelle cultivable, je la place ici. Et quand vous avez placé votre passerelle, il vous faudra obligatoirement des graines. Donc pour obtenir des graines, c'est très simple. Imaginons vous récupérez par exemple des citrouilles ou n'importe quel objet que vous pouvez manger, n'importe quel fruit ou légume que vous pouvez manger, vous allez devoir créer un granulateur. Donc le granulateur, ça se crée ici dans vos utilitaires. Il vous faudra des tiges de bois noueux, du bloc de granit et des carapaces. Donc ensuite, quand vous avez créé votre granulateur, vous allez dedans et vous allez placer... Ah non, en fait, je croyais qu'on pouvait pas placer... Attendez, si on peut, je pense. Là, vous allez placer... citrouille. Donc pour obtenir des graines de citrouille, il faudra placer des citrouilles. Donc pour chaque citrouille que vous allez placer, vous allez obtenir trois graines de citrouille. Regardez, hop, je place une citrouille. Et au bout d'un certain temps, je vais pouvoir récupérer les graines. Et c'est pareil avec toutes les graines. Ici, si vous voulez des graines de maïs, il vous faudra du maïs. Si vous voulez des graines de blé, il vous faudra du blé, etc. etc. Donc ensuite, quand vous avez vos graines, là, vous allez devoir les placer dans votre passerelle cultivable. Donc, vous placez les graines comme ceci. Et là, vous allez devoir attendre... Je pense que c'est une demi-journée ou une journée entière dans le Lego hein, de Fortnite. Donc il faudra attendre que le soleil se couche et puis que le jour passe hein, tout simplement dans le Lego de Fortnite. Et ensuite votre légume va pousser. Et quand votre légume sera poussé, comme ici par exemple, vous allez pouvoir récupérer la citrouille en question. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de le faire plusieurs fois. Il va falloir le faire énormément de fois parce que c'est un défi à étapes. Il y a 20 étapes. Vous allez devoir cultiver énormément de fruits et de légumes pour pouvoir terminer ce défi et débloquer les récompenses.